Salut à tous, Porto 95 Gaming. Donc là, je vais vous présenter comment être invisible sur GTA. Donc, je vais vous montrer les prérequis. Faudra être en session publique, avoir un complexe. Donc, vous aurez votre téléphone pour ceux qui n'ont pas de complexe. Vous allez sur MaceBank, vous accédez au site et vous allez sur l'icône complexe. Pour ma part, c'est complexe au niveau des éoliennes. Donc il faudra aussi des prérequis au niveau du complexe. Donc moi je vais rénover, il faudra absolument avoir votre salon, ok, afin d'avoir la télé avec la radio. Donc moi j'ai pris le prestigieux. Il faudra aussi obligatoirement avoir la salle de sécurité. Une fois que vous avez ça, on va rentrer dans le complexe et c'est parti pour le glitch. Une fois dans votre complexe, vous allez vous diriger vers le salon. Donc, on va avoir aussi besoin d'une activité de Simone. Moi, pour ma part, j'ai déjà demandé une activité de Simone. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous aurez votre téléphone et vous demandez une mission de contact. Ça peut être Simone, Gérard. Donc là, on se dirige vers le salon. Vous pouvez passer par là. Et le petit salon, en fait, c'est cette pièce-là que vous avez pris au préalable. Donc là, on va se mettre en face à la radio. Donc je vais ouvrir mon téléphone. Les activités que vous avez sur le téléphone qui ne vous servent à rien, vous faites croix carrée pour les supprimer afin de garder juste celle de votre contact. Pour ma part, c'est Simone. Donc là, je vais me mettre à la première personne. C'est très important de se mettre à la première personne. Donc là, il faudra maintenir Start enfoncé. Au moment où vous appuyez, vous allez juste appuyer croix et relâcher le tout en même temps afin d'avoir le menu Start qui s'ouvre. Donc là j'ai le menu start, de là je fais rond et de là il faut que je fasse rond et je spam flèche de droite. Mais j'ai pas de chargement en bas à droite, c'est important d'avoir le chargement de l'activité sinon ça fonctionnera pas. Donc entraînez-vous à maintenir start, appuyez sur croix et relâchez le tout en même temps afin d'avoir le chargement aussi après. Donc là c'est reparti, je maintiens start, j'appuie croix, je relâche. Donc là c'est pas bon, j'ai pas le menu start qui s'est affiché. Donc là, vous quittez et vous recommencez. Donc là, je me mets sur Simone, je maintiens Start, j'appuie croix et je relâche tout.
Donc là, j'ai le menu start qui s'est affiché. Donc de là, vous restez un peu sur le menu pause, vous relâchez et vous spammez. Toujours pas le chargement. Donc vous recommencez. Donc il est un peu galère quand vous connaissez pas, mais une fois que vous allez réussir, vous allez pouvoir en profiter. Donc là on recommence. Et de là vous faites rond et vous spammez flèche de droite. Vous voyez, pour ma part, toujours pas. Donc je persiste, j'abandonne pas. Allez, c'est parti, je maintiens start. J'appuie un coup sec, croix et je relâche tout. De là, je me mets sur le menu, rond et je spam flèche de droite. Là j'ai le chargement. Donc deux possibilités, quand vous allez quitter l'activité, si votre joueur a le téléphone, c'est foutu, il faudra recommencer. Donc là, pour ma part, j'ai pas le doigt sur le téléphone, donc c'est bon. Pour savoir si vous êtes bien bugué, vous faites flèche du haut afin d'ouvrir le téléphone. Si vous ne pouvez pas ouvrir le téléphone, c'est que vous êtes bien bugué. Donc là, on va passer à la partie numéro 2. Le deuxième prérequis, c'était d'avoir la salle de contrôle. Donc là, je regarde, flèche du bas, je regarde les plus petits niveaux dans la session. Question que ces petits niveaux, bah, quand ils vont se faire tuer, ils quittent la session. C'est important que la personne quitte la session à la fin du glitch. Ou sinon, vous faites ça avec un ami à vous. Et dès que vous lui envoyez les mercenaires, il quitte la session. Ça ira plus vite. Donc là, vous allez à ce poste de contrôle. Vous faites flèche de droite. Équipe d'intervention, vous faites oui et vous choisissez votre niveau. Vous confirmez et vous observez la cible. Il se peut que des fois, entre temps que vous ayez choisi la cible, elle quitte. C'est pas grave, vous en choisissez une autre. Donc là, ma cible, elle est partie. Je retourne dans équipe d'intervention, niveau gratuit, je fais croix. De là, je vais choisir quelqu'un au pif. Allez, on va prendre Madame C80. Je confirme et je fais observer cible. Quand la cible va apparaître, ce que vous allez faire, vous allez la spammer plusieurs fois flèche de droite. Vous spammez, vous allez entendre un bip. Vous faites ça au moins 5 fois. Vous entendez 5 fois le bip. Vous faites triangle pour éteindre. Voilà. Là, vous refaites triangle pour allumer. Et vous spammez flèche de droite 5 fois aussi. Une fois après avoir spammé flèche de droite 5 fois, vous faites rond triangle. De là, on peut dire que je suis bugué. En fait, regardez, vous voyez, là j'ai pris possession de la personne. Donc, pour me bugger par la suite, il faut que cette personne ait quitte. Donc, on se retrouve tout de suite après. Donc, la personne s'apprête à quitter. Ça va me faire tomber en wallbrèche. Donc vous pouvez spawn n'importe où. Ok, ça n'a pas d'importance. Là, moi, j'étais en mode passif. Ce qui fait que quand vous êtes en mode passif pour débugger, c'est simple. Vous faites start en ligne. Vous allez dans options. Et vous désactivez le mode passif. Comme ça, vous allez récupérer les armes. Il nous faut les armes. Et vous pouvez déjà essayer de trouver quelqu'un qui a un autre mode de visée. Car on va avoir besoin aussi d'une personne en mode de visée différente. Donc une fois que je récupère mes armes, ok, je prépare mon lance-roquette, je fais flèche du bas, roulette des personnages, je fais rond, de là je vais me suicider, flèche du bas et je choisis Franklin. Et je fais rond. Et de là, je rejoins quelqu'un dans un mode de visée. Donc, je vais avoir un premier message. Là, il faut rejoindre une deuxième fois. Si le message est le même, c'est que la personne, elle n'a pas le même mode de visée. Il faut absolument que le message y change.
Donc là, je rejoins à nouveau. De là, il change. De là, je fais rond. Et là, flèche du bas, Franklin. Et rond. Et là, je vais spawn en ville. Donc là, je suis en ville. Je peux pas bouger. Je peux juste bouger la caméra. Je peux pas marcher. Donc là, c'est très simple. On va prendre une activité bleue. Vous faites carré dessus et vous rejoignez quelqu'un en mode de visée différente. Vous voyez, des premiers, refusez le deuxième. Et vous faites OK. De là, je peux marcher. D'accord ? Donc à partir de là, il faut juste en profiter. Tiens, je vais prendre le cabriolet, comme ça vous verrez bien que je suis en mode invisible. Donc avec ce glitch, bon, voilà, c'est juste pour troller vos amis. C'est vrai que vous pouvez augmenter vos ratios pour ceux qui aiment bien le ratio, à condition de ne pas toujours tuer la même personne, sinon ils vont vous signaler, ils vont vous exclure. Donc quand vous voyez dans la liste des joueurs qu'on fait start option, si vous voyez qu'ils sont en train de vous exclure, le mieux c'est de quitter la session avant d'avoir des problèmes. Malheureusement, les autres joueurs pourront vous tuer. Donc si vous êtes mort, pas de panique. Rejoignez quelqu'un en mode de visée différente, croiront et vous reprenez l'activité. Ok, c'est tout simple et vous verrez, vous serez toujours invisible. Donc là, comme vous voyez, lui, il me voit pas. Je peux le tuer, la police, elle va pas me tuer. Donc allez, on va jouer un peu avec. Voilà, je le fais sauter en l'air. Moi, je m'en sers juste pour rigoler en session. Ça change de ce qui se passe sur GTA en ce moment. Donc voilà, les gars, c'était Porto 95 Gaming. Et je vous dis à très très bientôt.